Travailleurs, travailleuses, benvenuti a Villaruppete. Ça change du statut protocolaire, hein, la salutation officielle. On est loin de chacun, chacune, en vos grades et qualités. Ça a plus de panache, hein, travailleurs, travailleuses. Moi, quand j'ai vu la thématique de cette année, je me suis dit clairement que le festival prenait une tournure révolutionnaire. Enfin, on entrait dans la lutte des classes. Enfin, on allait s'inquiéter du sort de la masse prolétarienne. Enfin, on allait mettre au grand jour le grand soir. Alors, une fois de plus, je me suis vautré dans la caricature la plus grotesque que j'ai pu trouver. Je me suis déguisé en travailleur, syndicaliste révolutionnaire. Même si mon déguisement, je le reconnais, j'en ai conscience, ressemble plus à un ouvrier chantier à la YMCA. C'était ça ou une parodie pathétique de Marcello Mastroianni. Mais bon, je me suis souvenu de la piètre prestation que j'avais fournie l'année dernière en tentant d'imiter Aldo Maccione, et je me suis dit que pour vous, pour moi, pour tout le monde,
Il valait mieux ça, même si c'était grotesque. Surtout que ma fonction de maître de cérémonie m'aura appris, avec ma longue expérience maintenant, deux petites choses. Premièrement, que le ridicule ne tue pas. J'en suis une preuve vivante ce soir. Et deuxièmement, qu'on ne s'attaquait pas au mythe. Et Marcello comme Ir, qu'on le veuille ou non, c'est mythique. Qu'on aime ou pas, c'est iconique. Patouche à Marcello. Alors je me suis dit que finalement, j'allais enfiler ma panoplie de rebelles insurrectionnels de pacotille pour faire voler en éclats les barrières, les conventions, les compromis, les lâchetés, les soumissions, les restrictions, les frustrations. Je me voyais déjà, non pas en haut de l'affiche, ça c'est Aznavour, je me voyais plutôt comparable à Étienne Lantier dans Germinal, capable de soulever les foules et de vous emmener avec moi dans ma lutte contre les injustices, contre l'oppression du patronat, contre le mépris cynique des tout-puissants. Et tout ça uniquement grâce à mon charisme et mon aura légendaire. Et puis grâce à mes enfants, j'ai vite dégonflé mon melon parce qu'ils m'ont rappelé que j'avais pas de charisme et pas d'aura, ou alors un charisme vaguement équivalent à celui d'un poulpe ou d'un poisson rouge dans le meilleur des jours. Et puis surtout, je me suis rappelé que, emporté par ma fougue de vouloir faire table rase et créer une vraie révolution, j'avais oublié un mot de la thématique. Travailleur, travailleuse, c'est bien, ça a du panache, ça met tout de suite dans l'ambiance, mais il y a algorithme dans la thématique de cette année. Travailleur, travailleuse et algorithme. Et alors là, ça a fait tilt pour une fois dans ma petite tête, et tout de suite j'ai fait le lien avec l'intelligence artificielle. Quand, comme moi, vous en êtes naturellement dépourvu, c'est bien pratique dans certaines situations, l'intelligence artificielle. Alors j'ai rappelé mes enfants, que j'avais punis, parce que quand même on ne dit pas ça à son papa, qu'il n'a pas de charisme et pas d'aura, et je leur ai dit à mes petits geeks, téléchargez-moi s'il vous plaît très vite l'application ChatGPT. Vous connaissez ? C'est magique. Une fois que vous avez ça, vous tapez dans la barre de recherche « discours de fermeture du Festival du film italien ». Et alors là, attention, la machine vous sort un texte en 4 secondes, 22 centièmes, j'ai chronométré. Je vous assure que je n'ai pas changé un mot, pas une formule, pas une virgule. Vous êtes prêts ? Accrochez-vous. Chers amis, chers invités, bon ben apparemment la machine elle connaît pas non plus la salutation protocolaire, alors que s'achève la 47e édition de notre Festival du film italien, nous nous réunissons ce soir avec une émotion particulière. Cette semaine, ah oui, ça c'est de ma faute, j'aurais dû préciser à la machine que le festival ne durait pas une semaine, mais 15 jours, enfin 18 pour être précis. Cette semaine donc a été marquée par des moments intenses de cinéma, de culture et de partage. Nous avons voyagé ensemble à travers les récits captivants, les drames intimes et les comédies audacieuses qui reflètent l'âme de l'Italie. Les films que nous avons découverts cette année ont mis en lumière des talents nouveaux et confirmés, ainsi que des histoires qui interrogent et nous bouleversent. Ils nous rappellent que la force du cinéma est un miroir de nos sociétés, mais également une fenêtre ouverte vers l'autre. Alors cette formule-là, elle est peut-être creuse, mais j'aurais adoré la trouver tout seul. En clôturant cette édition, nous regardons déjà vers l'avenir. L'Italie, avec sa richesse culturelle inépuisable, continuera d'inspirer et de captiver. En attendant de nous retrouver pour la prochaine édition, gardons vivante cette passion commune pour le cinéma. Ah ben non, on ne va pas applaudir non plus l'intelligence artificielle, faut pas exagérer. Moi j'ai écrit mon texte, hein. Ouais, alors c'est quand même bluffant, saisissant, renversant, presque angoissant. Parce qu'en fait, tout est dit, tout est là. En novlangue, certes, de façon un peu dénuée d'âme, peut-être, mais tout est là, tout est dit. Moi qui avais la vanité de croire que j'avais un petit don d'écriture, c'était mon seul petit orgueil, ben j'ai plus rien. Je ne suis plus rien, je ne sers plus à rien. Elle est peut-être là, en fait, la vraie révolution révolutionnaire, dans le grand remplacement. Attention, hein! Pas le grand remplacement où certains l'entendent, hein. Je ne parle pas du grand remplacement d'une civilisation par une autre, d'une culture par une autre, d'une religion par une autre. Non, moi c'est plus simple que ça. Je parle du grand remplacement
de l'humanité par la machine. Elle fait tout aujourd'hui, la machine. Elle sait tout aujourd'hui, la machine. Elle écrit même à ma place. Elle pense aussi à ma place. Ça, c'est pas très compliqué de penser à ma place. Elle a quand même oublié un petit truc, la machine. Le moment sans doute le plus solennel de ma fonction de maître de cérémonie, mon moment préféré à moi, quand j'officie chaque année pour cette grande et belle soirée. Alors, s'il ne nous reste plus que la solennité, allons-y, c'est parti. Solennel, pas vulgaire et graveleux. On n'est pas dans un bar à striptease de seconde zone. Un peu de tenue. J'ai un nouveau nez papillon. Il est beau. Non, vous verrez rien d'autre. Hein. C'est pas la peine. Non, c'est comme ça. J'ai pas envie de créer une émeute. Quoique, une émeute pour une révolution, c'est un bon début. Mais bon, on n'est pas là pour ça ce soir. La machine... Ah non, pardon. Je voulais dire simplement quand même, puisqu'on parle de solennité, il est temps pour moi de déclarer officiellement et solennellement l'ouverture de la 47e soirée des Amilcar du festival du film italien de Viru. Une dernière chose que la machine a également oublié, finalement, elle n'est peut-être pas si performante que ça, c'est un peu rassurant. Une chose importante, une chose capitale, une chose essentielle, merci. Merci d'abord à l'école de musique Diapason, qui est l'école de musique intercommunale de la CCPHVA, représentée ce soir par Lucas, Rémi, Tadé et Lucas. Ça fait aussi un bel algorithme. Merci à tous les organisateurs, les permanents, les membres du conseil d'administration, les techniciens, les projectionnistes, les régisseurs. Merci à tous les partenaires, publics comme privés. Merci aux annonceurs, aux sponsors, aux financeurs. Merci à tous les bénévoles, évidemment, sans qui ce festival ne pourrait exister. Et merci au public, merci à vous d'être toujours présents, toujours aussi nombreux et toujours fidèles à ce grand et bel événement. Sans vous, sachez-le, ce festival n'aurait aucune raison d'exister. À Sandrine, à Marie-Louise, aux administrateurs, aux techniciens, aux régisseurs, aux projectionnistes, aux bénévoles, à tous, à vous. Grazie, grazie molto e bravissimo! Alors, avant de commencer à remettre les différents prix aux différents lauréats de cette soirée des Amilcar, je voudrais, avec votre accord évidemment, si c'est possible, que Madame la consule d'Italie me rejoigne sur scène avec Marie-Louise Antenucci pour une remise de prix un peu particulière, une distinction dont le Festival du film italien est fier d'être l'écrin ce soir, afin d'honorer comme il se doit Madame Marie-Louise Antenucci. Madame la présidente du Festival du film italien de Villeroy, Monsieur le maire de Villeroy, travailleurs et travailleuses, chers musiciens, chers amis italiens et français, bonsoir et merci pour cette invitation et surtout merci pour cette 47e édition du festival
qui a été très riche d'émotions, de chaleur, de bonheur, d'amitié. Avec mon mari, nous avons vu 8 films, et mon film préféré a été Idou, le titre en français, Lettre sicilienne, aussi parce que moi, je suis sicilienne. Moi aussi, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de cette édition du festival, et tout particulièrement les bénévoles, et je voudrais les applaudir. Grazie. Comme vous l'avez dit, monsieur le maître de conférence, ce soir, je suis là pour une raison très précise, car je dois remettre à la professeure Antenucci la distinction de l'Ordre de la Stella d'Italia. L'Ordre de la Stella d'Italia est destiné à récompenser celles et ceux qui ont acquis des mérites particuliers dans la promotion des relations d'amitié, des collaborations entre l'Italie et d'autres pays, et dans la promotion des liens avec l'Italie. Je vais vous lire, en italien et en français, les motivations pour lesquelles le président de la République italienne a conféré cette distinction. La professoressa Antenucci rappresenta un caso di successo dell'emigrazione italiana nell'est della Francia e una delle principali conoscitrici della sua storia in Lorena. Il suo impegno si è articolato in un'autorevole attività di ricerca e divulgazione e in un forte impegno professionale finalizzato, tra l'altro, a promuovere i rapporti culturali e di conoscenza tra i giovani dei due paesi. La sua preparazione culturale e le sue doti umane e gestionali l'hanno portata alla presidenza del Festival del Film Italiano di Villerieu, posizione che ricopre a titolo volontario. Sempre in questo quadro di approfondimento dei legami tra Italia e Francia, la professoressa Antenucci ha collaborato anche con il Consolato Generale d'Italia a Metz, con il quale ha organizzato, sempre a titolo volontario, una giornata di studi sulla presenza degli italiani nell'est della Francia. Madame la professeure Antenucci est un exemple de réussite de l'émigration italienne dans le Grand Est français, dont elle est en Lorraine l'une des principales spécialistes de son histoire. Son engagement s'est articulé dans une activité de recherche et de diffusion, dans un engagement professionnel très fort, visant entre autres à promouvoir les relations culturelles et la connaissance entre les jeunes étudiants de ces deux pays. Sa préparation culturelle et ses compétences humaines et managériales l'ont conduite à la présidence, à titre bénévole, du Festival du film italien de Villerieu. Toujours dans ce cadre d'approfondissement des liens entre l'Italie et la France, elle a collaboré avec le consulat général d'Italie à Metz, avec lequel elle a organisé une journée d'études sur la présence des Italiens dans l'est de la France. Madame la professeure Antenucci, pour cette raison que je viens d'évoquer et compte tenu de vos mérites reconnus, vous avez mérité de recevoir une distinction au rang supérieur à celui de chevalier, c'est-à-dire celui d'officier. Madame la professeure Antenucci, au nom du président de la République italienne et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre de la Stella d'Italia. Avec vous tous ce soir, je le ferai tout de suite, hein, y a pas de problème. Je voulais simplement saluer encore une fois les permanents et les bénévoles, parce que si je suis là ce soir, c'est grâce à eux, et je peux vous dire que pendant ces quelques jours, j'ai partagé avec eux un tout petit peu de leur travail absolument fondamental, et je voulais vraiment leur dédier cette récompense, ainsi que bien sûr à ma famille. Et je voulais vous donner à tous un petit morceau, hein, je vous le donnerai après, un petit morceau à chacun. Et puis je voulais quand même avoir une petite pensée, parce que les bénévoles sont des gens qui sont dévoués, mais corps et âme. Je leur ai envoyé un message ce matin, j'ai honteusement repris d'un journal, d'un hebdomadaire français,
l'expression « pépites d'humanité ». Ce sont vraiment des pépites d'humanité. Et je partage avec eux cette décoration. Et certains de ces bénévoles connaissent parfois aussi des drames de la vie. Ils sont toujours là debout. Et je voudrais aussi dédier cette décoration à M. Didier Provenzano, qui a perdu sa maman au tout début du festival et qui est resté debout et qui est venu et qui nous a aidés. Je crois qu'on peut lui dédier aussi cette décoration à lui et à sa famille. Merci beaucoup. POV, tu participes cette année au jury jeune. Ben, premier degré, t'es content, ref? T'es refait le sang? Alors, sans vouloir jouer aux Jones en employant du vocabulaire que je ne comprends pas, d'ailleurs, le simple fait que je vienne d'employer Jones prouve bien que je ne le suis plus, parce que ça fait bien longtemps que les Jones eux-mêmes ne l'emploient pas, et sans vouloir non plus avoir un discours de vieux con, âge pourtant vers lequel je me dirige, où je suis déjà d'ailleurs encore selon mes enfants, il faut bien reconnaître que la thématique de cette année collait parfaitement à l'émancipation du jury jeune. Parce que même s'ils n'ont pas ou peu ou quasiment pas d'expérience professionnelle ou du monde du travail, qu'ils le veuillent ou non, c'est leur avenir qui se profile devant eux. Un jour, ils travailleront et un jour, ils se rappelleront sans doute cette définition du travail qui vient du latin tripadium et qui signifie simplement instrument de torture. Pour l'heure, en tout cas, il faut reconnaître qu'au niveau des algorithmes, ils maîtrisent à donf. Ils sont d'ailleurs de cette génération Z qui est née avec le numérique dans les gènes et ils maîtrisent tellement bien ces outils qu'on est souvent, nous, plus âgés, un peu décontenancés devant leur habileté. Pourtant, pour ce travail qu'ils avaient à faire durant cette sélection officielle de choix des films qu'ils avaient à primer, on ne peut pas dire qu'ils aient eu recours à l'algorithme. De la motivation, du désir, de l'envie, et surtout un amour inconditionnel du cinéma, aura suffi à guider ce jury jeune. Le jury jeune est composé de lycéens de classe à option cinéma et ZABAC, ou d'élus du Conseil régional jeune de la région Grand Est. Ce prix du jury jeune est parrainé par la région Grand Est. Il était composé cette année d'Inès, Elias, Théo, Isodora, Alicia, Angelina, Shana, Corentin, Julien et Amandine. J'invite donc à me rejoindre sur scène pour décerner ce prix, Madame Véronique Guillotin, conseillère régionale de la région Grand Est, et Inès et Shana, représentantes du jury jeune. Cari membri del festival, cari ospiti, cari amici del cinema. Chers amis du festival, chers amis du film. Quel privilège d'être ici ce soir, entouré de tant de passionnés de cinéma, pour représenter le jury jeune du Festival du film italien. En tant que jury jeune, nous avons eu l'opportunité d'explorer des films qui nous ont profondément bouleversés, des œuvres qui marquent par leur puissance et par les messages qu'elles transmettent au-delà de l'écran.
Avant d'aller plus loin, permettez-moi de remercier chaleureusement tous les bénévoles et les organisateurs du festival, mais surtout le Grand Est. Grâce à leur passion pour le cinéma et leur engagement, ce festival a pu devenir une véritable scène immersive, où nous avons pu analyser, partager et débattre. Dans nos délibérations pour choisir le film, un véritable duel s'est joué entre deux œuvres. L'une d'elles aborde le thème du courage face aux violences intrafamiliales, un sujet dur et essentiel. Il a été traité avec une intensité et une sensibilité qui nous ont profondément touchés. Puis il y a eu ce film, celui que nous avons choisi. Ce film va bien au-delà d'une simple narration. Il nous transporte, scène après scène, dans un monde où tout est bouleversé, avec une poésie douce mais pourtant intense. C'est une histoire de survie et de courage, portée par des voix d'enfants qui vivent des réalités que personne ne devrait jamais connaître. Ces jeunes acteurs nous révèlent, avec un jeu authentique, une force intérieure qui transcende la peur, la violence et parfois même le désespoir. La Milcar que nous décernons aujourd'hui est dédiée à ces enfants et à leur rêve de paix. À travers ce film, nous voulons célébrer un monde où chaque enfant, chaque être humain pourrait vivre sans avoir à se battre pour exister. Un monde où la paix ne serait pas seulement un idéal, mais une réalité. Ainsi, c'est avec une immense émotion que nous avons décidé de récompenser une œuvre à la fois poignante et poétique. Une œuvre qui ose exprimer l'inexprimable. Ce soir, le prix du jury jeune revient à Loris Ley avec son film « I Bambini di Gaza ». Ricevere questo premio è un onore, è un piacere immenso, soprattutto perché è un premio che viene dato dai giovani. Questo è un film che parla di giovani, un film che ha bisogno di coraggio. E se il coraggio ce l'hanno i giovani, allora forse qualche speranza per il futuro ce l'abbiamo. C'est un honneur de recevoir ce prix parce qu'il vient des jeunes et comme les jeunes représentent l'avenir, si c'est d'eux que vient le prix, il y a peut-être un espoir. Ringrazio l'organizzazione del festival, Oreste, Sandrin, tutto il loro team per l'accoglienza e soprattutto anche qui in questo caso, insomma, per il coraggio di mettere un film come il mio nel loro festival. È stata per me una sorpresa perché questo film ha riscontrato diversi problemi nell'essere presentato in un momento così difficile dal 7 ottobre del 23 in poi. Il mondo in quella parte del Medio Oriente è cambiato profondamente. Je remercie toute l'organisation du festival d'avoir accepté de prendre ce film parce que le film a eu toute une série de problèmes à être diffusé depuis les faits du 7 octobre 2023. Quindi grazie al festival e grazie anche ai ragazzi che hanno fatto il mio film. Sono ragazzi veri, sono ragazzi di strada, ragazzi che vengono dai territori occupati, dal West Bank, dal Golan. E hanno dimostrato dai primi giorni di lavoro insieme a me e poi insomma da quando abbiamo iniziato a fare le riprese un coraggio incredibile. Questo coraggio sembra che insomma si ripete insomma fino ad arrivare oggi qui a ricevere questo premio bellissimo. Donc le courage qu'a eu Villerue a été aussi le courage des enfants qui ont interprété le film. Ce sont des enfants qui venaient tous du Golan ou des territoires occupés et leur courage est arrivé jusqu'ici où j'ai reçu ce prix. Continuo a ringraziare anche i miei produttori, primi di tutti Elda Ferri e Tarak Ben Ammar che hanno creduto in me e nel progetto, l'hanno portato avanti con grande sforzo e grande impegno. Il mio direttore della fotografia Shane Ziegler, la mia coscrittrice Dalia Heyman e tutto il nostro team. Je remercie tout le team qui a travaillé sur le film. C'est aussi grâce à eux qu'on est arrivé où nous sommes arrivés ce soir. Ringrazio ovviamente anche Nicoletta Bortolotti che ha ispirato il film, ha scritto il libro sulle onde della libertà dal quale appunto ha ispirato liberamente la sceneggiatura per questo film. Merci beaucoup aussi a Nicoletta Bortolotti qui a écrit le livre
sur les vagues du dont a inspiré le film de toute façon, pardon, et dont j'ai tiré le scénario. Tutto qui. Sono molto contento di essere qui e vi ringrazio molto. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Sulla terra ti sembra di essere in prigione, ma in acqua non ci sono più confini. Avoir le sens de la critique, même à l'heure du numérique et des algorithmes, ne veut pas pour autant dire que tous nos goûts se limitent au binaire, ou j'aime ou j'aime pas. La critique est un travail bien plus complexe et fastidieux qu'un simple avis laudatif ou destructeur, qu'un simple like ou qu'un émoticône pas content. D'ailleurs, le verbe critiquer, souvent expliqué comme une opposition ou la mise à jour de défauts, d'erreurs ou de quelques manquements, n'est qu'une partie de la définition. S'arrêter sur cette acception, c'est jeter un voile sur tout un sens du terme. Car quand elle est construite, argumentée, justifiée et étayée, la critique, c'est aussi, heureusement, mettre en exergue les qualités, les réussites et les innovations artistiques. Et c'est là tout l'enjeu de la critique. Non pas rabaisser ou dire du mal, mais donner un point de vue éclairé, neutre et construit sur l'œuvre visionnée. C'est pour cela que les artistes l'appréhendent tant. Sans flagornerie, sans complaisance, et quelquefois, il faut bien le dire aussi, sans pincette, la critique dit clairement et honnêtement ce qu'elle pense de ce qu'elle voit. Pas toujours facile à entendre. Mais c'est toujours, quoi qu'il en soit, le moyen de s'améliorer, de se dépasser, de se transcender. L'Amilcar que nous allons remettre à présent, vous l'aurez compris, est décerné par le jury de la critique, parrainé par le conseil département de Moselle. Il était composé cette année de Perrine Kenson, Ludovic Béot, Séverine Danflou, Frédéric Mercier et Jean-Paul Tilguès. J'invite à me rejoindre sur scène Jean-Pierre, j'ai dit Jean-Paul je crois, non ? Je me suis trompé, pardon, c'est moi. J'invite donc Jean-Pierre Tilguès à me rejoindre sur scène pour décerner le prix du jury de la critique. Thank you.
Novent. Bonsoir, buonasera, guten Abend, good evening. Et pour ceux qui ont vu le film Un mondo a parte, oh! Cette année, pour la première fois, le festival de Villerue a été critiqué par un jury issu du syndicat français de la critique de cinéma. Mes quatre compagnons parisiens sont à Paris et moi, en tant que régional de l'étape, je représente l'association luxembourgeoise de la presse cinématographique. Nous avons vu 6 films, nous avons vu 2 films superbes et nous avons récompensé une merveille. Dans ma vie, j'ai vu environ 40 000 films et je suis surpris de toujours me faire surprendre par tel ou tel film. Et cette année, le film que nous avons récompensé s'appelle « Vermiglio » de Maura Del Piero. Pour la première fois aussi, nos délibérations du jury ont été en public. Et c'est très spectaculaire pour ceux qui étaient là et savent de quoi je parle. Maintenant, il y a une motivation assez longue que je vais vous lire avec mon joli accent luxembourgeois. Nous avons été bouleversés par cette chronique familiale située après-guerre dans un petit village du Trentin. Nous avons été éblouis par cette reconstitution enracinée avec précision dans son époque, sans jamais être artificielle. Nous avons été touchés par la vigueur des portraits aussi justes que vivants et par le travail plastique remarquable qui rend grâce autant à la beauté qu'à la solitude des visages et des paysages grandioses de montagne. On pense aussi bien au cinéma de Nuri Bilge Ceylan, c'est un cinéaste turc, qu'a interdit aux chiens et aux Italiens avec ce film aux airs âpres, mais au cœur tendre, sans jamais réduire ses héros à de simples idées, en prenant le temps de s'intéresser à chacun d'entre eux et aux nœuds complexes qui les lient les uns aux autres, la réalisatrice Maura Del Piero dessine les contours d'un vieux monde inégalitaire qui brise les élans comme les rêves, notamment des femmes. Bien que disparue, cette société dialogue plus que jamais avec la nôtre et, lors de la délibération publique à Villerue, nous avons réalisé combien Vermiglio avait déposé en chacun de nous un sentiment profond et bouleversant que nous avons choisi de célébrer par ce prix. Le film passe encore plusieurs fois au festival. Ne le ratez pas. Alors, Maura Del Piero n'est pas présente avec nous ce soir, elle est retenue en Italie. J'appelle donc Massimo Scarafoni pour récupérer le prix, s'il vous plaît. Merci. Malheureusement, je ne suis pas Maura Del Piero. Grazie da parte della regista che ho sentito proprio oggi. Purtroppo è impegnata in altra occasione, ha una personale che le dedica alla Cineteca di Bologna proprio in questo weekend. J'ai entendu aujourd'hui la réalisatrice qui vous remercie beaucoup. Elle est actuellement à Bologne à la Cinétèque qui lui dédie une rétrospective personnelle. Questo è un film importante, Vermiglio, che ha già raccolto numerosi riconoscimenti, a partire dal Leone d'Argento alla Mostra di Venise. Ce film est un film important parce qu'il a déjà été récompensé plusieurs fois, dont le Lion d'Argent à Venise. E questo premio rafforza ancora quindi le sue possibilità nella corsa verso l'Oscar per il quale è stata nominata come film italiano per l'anno, appunto, per gli Academy Awards. Ce prix qu'il reçoit ce soir renforce encore ses possibilités dans la course vers l'Oscar où il a été désigné pour représenter l'Italie. È tutto. Grazie, merci beaucoup. Merci beaucoup.
L'Amilcar qui va suivre reste dans le domaine des initiés. Le jury qui l'a attribué se compose là encore uniquement de professionnels, comme dirait Belmondo, des professionnels du cinéma, et d'un domaine bien particulier du cinéma, puisqu'il s'agit de celui des exploitants des salles obscures, qu'elles soient indépendantes, collectives, associatives, communales, intercommunales ou même commerciales. Ces salles cherchent avant tout, à travers leur existence et leur équilibre économique souvent bien fragile, à nous offrir la palette de divertissement et de réflexion la plus large possible. Faire plaisir à son public, le fidéliser, l'élargir, l'éblouir et le satisfaire, ces exploitants de salles obscures ont la simple mission de nous faire vibrer. Facile ? Ils gèrent, ils cherchent, ils trouvent et tentent au quotidien de proposer des visions libres, des visions authentiques, qui s'accompagne d'actes forts et engagés. Un cinéma exigeant, un cinéma accessible, et oui, c'est pas incompatible, un cinéma beau, intelligent et populaire, un cinéma comme on l'aime ici à Villerue et sur le territoire de la CCPHVA. Le prix du jury des exploitants est parrainé par la communauté de communes du Pays Haut-Val d'Alzette et par le magazine Box Office Pro. Ce jury était composé cette année de Cécile Becker, Henri Biancalana, Yélène Reynaud et Roland Mérindol. J'invite à me rejoindre sur scène pour remettre ce prix des exploitants. J'appelle Daniel Cimarelli, vice-président de la CPHVA, et Henri Biancalana, membre du jury. Mesdames, Messieurs, bonsoir. De prime abord, je vous prie d'excuser ma mauvaise imitation du parrain. Depuis un jour ou deux, j'ai des petits problèmes de cordes. Donc, les quatre membres du jury professionnel et exploitant tiennent chaleureusement à remercier le Festival de Villerue pour son accueil. À l'heure
où tout est lu, où tout est dit, et où les silences et la lenteur nous semblent difficiles, le film choisi propose un cinéma à contre-courant, laissant aux spectateurs la place de tout voir entre des regards échangés, de lire entre les lignes et les non-dits, de comprendre, au fond, ce qui nous rend femmes et hommes. Les personnages sont brossés dans leur vérité, multiples, complexes, avec beaucoup de délicatesse. Ils sont construits en discrétion, jamais dans l'excès. Et puis, bien sûr, il y a l'image duveteuse, cotonneuse, de ces paysages humbles et qui pourtant nous emportent. Par notre choix, nous disons notre envie d'un cinéma qui ne nous dit pas tout, qui prend le temps et remet, sans dialogue appuyé, le spectateur avec une force empathique au cœur du dispositif cinématographique, poétique, fin et sensible. Pour ces raisons, nous décernons l'Amilcar du jury d'exploitants et professionnels au film Vermiglio de Mora Del Perro. Alors, au risque de vous surprendre, la réalisatrice n'est toujours pas présente. Mais magie du numérique et de l'algorithme, elle a réussi entre-temps quand même, entre ces deux prix, à nous envoyer une petite vidéo. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Alors, bonsoir au Festival de Beyrouth et merci beaucoup. J'ai eu la très très belle nouvelle des prix, des deux prix. Merci beaucoup, j'en suis très contente. Et merci d'avoir au Festival pour avoir sélectionné le film, au public pour être en salle et voilà, bien sûr au jury pour avoir visionné avec attention le film et surtout pour la précision et la profondeur des mots qu'ils ont écrits sur le film, et je les ai beaucoup appréciés. Merci. Et malheureusement, je ne peux pas être avec vous, j'y ai été avec l'autre film, et j'ai un très très bon souvenir du festival, un festival très chaleureux. Mais bon, au moins, je voulais vous dire bonsoir, vous souhaiter une bonne soirée de prix, virtuellement. Merci beaucoup. J'appelle donc sur scène, afin de récupérer le prix, Federico Pedroni, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir. Sfortunatamente non sono né Mora Del Perro né Massimo Scarafoni, che ha già detto tutto. Malheureusement, je ne suis ni Madame Del Perro, ni Massimo, qui a déjà tout dit. Però abbiamo ottenuto due parole da Maura. L'unica cosa che voglio dire, come prendendo questo premio e facendo parte anche dello staff del festival, è che è una grande gioia ricevere un doppio premio di critica ed esercenti. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un grand plaisir de recevoir ce prix doublement, donc de deux jurys différents. Pour les deux prix qui ont été décernés par deux jurys différents. Perché è la dimostrazione, cosa che in Italia spesso si crede impossibile, che le due cose possano andare insieme. C'est la démonstration qu'on peut faire aller les deux choses ensemble, ce qu'en Italie on a beaucoup de mal à croire. Infatti Vermiglio, che è un film che ha vinto premi importanti, è il candidato italiano all'Oscar, però è stato sempre considerato un film difficile. Alors le film a remporté beaucoup de prix en Italie, mais il est candidat aussi pour l'Italie aux Oscars, mais il a toujours été considéré comme un film compliqué. Invece ha avuto un successo grande e inaspettato nelle sale italiane e la conferma di un premio insieme di critica ed esercenti dimostra che il cinema d'autore può avere ancora un futuro importante anche in sala. Malgré cela, il a connu un grand succès en salle en Italie, il a obtenu pas mal de prix et le résultat de ce soir, le double résultat de ce soir, démontre que le cinéma d'auteur a encore une vie. Merci.
faccia per stretto. Se la mia mamma la si spostava fuori addosso la mia cuore. Roulement de tambour. C'est l'heure solennelle. L'heure de remettre le prix du jury officiel, comme dans les grands festivals. D'ailleurs, c'est logique, car ce beau festival de Villerue n'a rien à envier à ses confrères les plus célèbres. Il se dit même que dans les milieux très feutrés et très fermés du cinéma, qu'on y trouve ici, à Villerue, un petit plus. Un petit quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Un petit supplément d'âme, sans doute dû à notre histoire à laquelle nous sommes encore si viscéralement attachés. Un petit supplément d'âme dû aussi à notre hospitalité légendaire et authentique. Une qualité de recevoir, une volonté de faire les choses du mieux possible, de plaire bien sûr, mais de mettre à l'aise aussi. Ici, on est comme à la case. Ici, on vient pour voir du cinéma, mais on revient pour partager, se rencontrer et se connaître. Un festival, ça sert aussi à ça. Loin des bords de mer, des lacs alpins, des strass et des paillettes, il fallait bien autre chose pour faire le succès de ce festival. Ce sera, au-delà de l'amour du cinéma, la convivialité, indéniablement. Ce prix du jury est parrainé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Il était composé cette année de Jeannie Tilguès, de Serena Giuliano, d'Astrid Ross et de Serge Bromberg. J'invite donc à me rejoindre sur scène pour remettre ce prix du jury officiel, Annie Silvestri, vice-présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et Serena Giuliano, membre du jury. Annie, en fait. Je ne suis pas Annie Silvestri. Annie Silvestri, elle est là, d'ailleurs. Vous savez que maintenant, dans les départements et dans les cantons, on est des binômes mixtes. Donc, voilà. Alors, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités... Ah non, on n'a pas le droit de le dire, c'est vrai, excuse-moi. Oui, donc, c'est un plaisir pour le département de Meurthe-et-Moselle de remettre ce prix. D'abord, on suit le festival depuis un certain nombre d'années maintenant, quelques décennies. On y apporte notre soutien, soutien financier, mais pas qu'au festival. Je voulais justement le dire que cette année, nous avons aussi apporté un soutien à la rénovation du film Des Quetsches pour l'hiver. Il est là, Jean-Louis ? Salut, Jean-Louis. Jean-Louis Sonzoni, donc Les Quetsches pour l'hiver. J'espère que vous l'avez vu, ce film, hein, qui parle de notre histoire. On va financer aussi le prochain livre de Marie-Louise Antenucci, Villerue et le fer, Marie-Louise et Daniel Brachetti. Comme ça, Daniel, tu feras une belle photo. Hein. Merci. Et puis, en ce moment, on est en train aussi de financer un film qui se tourne dans notre région avec le documentariste François Caillat, qui est originaire de la région, puisque son père a été directeur de la mine du syndicat à Tiercelet, enfin de Til, à Tiercelet. Donc je pense qu'on le verra peut-être aussi dans notre région courant de l'année prochaine, je ne sais pas. En tout cas, voilà, le département de Meurthe-et-Moselle, de par ce que je souhaite en tant qu'élu local, puisque j'ai à suivre un petit peu tout ce qui a lieu à l'histoire, la mémoire industrielle et à l'immigration. Quoi de mieux que le festival italien pour faire un concentré de cette histoire, en fait, de notre mémoire et de l'immigration. Alors, ce qui est bien avec le cinéma, c'est que chacun peut y trouver ce qu'il veut. Le romantique, la comédie, le thriller, le film de revendication aussi. Et tu n'as pas annoncé le film qui a gagné. Qui est-ce qui l'annonce ? C'est le jury. C'est le jury qui l'annonce. Très bien. Donc, je vais laisser la personne annoncer ce film, et après, je dirai deux mots. Je ne veux pas dévoiler.
Pas de problème, allez-y. Merci. Buonasera a tutti. Je suis très heureuse d'être là ce soir en tant que membre du jury pour annoncer le gagnant de cette édition du Festival du film italien de Villerue. Je ne vais pas faire durer le suspense, je vais faire assez court. Le gagnant est Palazzi Nalaf. Nous avons unanimement apprécié le traitement original, tragicomique des rapports hiérarchiques dans le monde du travail. Nous saluons la prouesse de Michele Riondino, qui est à la fois à l'écriture, à la réalisation et qui interprète brillamment ce premier rôle dans son premier long métrage. Riondino a réussi à trouver un véritable ton empreint d'humanité qui s'inscrit parfaitement dans la lignée des grandes comédies sociales du cinéma italien. Palazzi Nalaf est de plus totalement en phase avec le thème du festival de cette année, Travailleurs, Travailleuses. Révolution ! Pour terminer, le jury tenait aussi à accorder une mention et à saluer le film « Famille ». En effet, en plus de réunir un casting exceptionnel, le film traite avec beaucoup de justesse du sujet sensible et essentiel des violences conjugales. Merci à tous et buona serata. Alors, Michele Riondino était chez nous à Villerue la semaine dernière. Il est reparti en Italie. Il serait bien revenu, mais c'est un peu compliqué. Hein. On essaye aussi d'être un peu écologique, donc on ne peut pas faire non plus des allers-retours entre Rome et Villerue tous les jours ou toutes les semaines. Donc j'appelle pour récupérer ce prix Fulvio Ferito, vendeur à l'étranger du film pour Rai Cinema International, s'il vous plaît. Buonasera a tutti. Allora, è un piacere essere qui e ritirare il premio. Ringrazio da parte del regista e della produzione. C'est un plaisir de retirer le prix au nom della produzione e du réalisateur. Solo due brevi parole sul valore del film, insomma, che non si focalizza soltanto sulla memoria e sulla dignità del lavoro. Alors, juste deux mots sur le film qui ne se focalise pas seulement sur la dignité du travail. Non racconta soltanto una pagina del passato che riguarda, diciamo, il sistema lavorativo italiano. Ça ne parle pas seulement du système de travail en Italie et sur son passé. Ma probabilmente indica anche una direzione verso cui un paese come l'Italia si è diretto, e forse non solo l'Italia. Et da questo punto di vista il film ha un valore universale. Il indique aussi une direction prise par l'Italie et probablement pas seulement par l'Italie, et en ceci il a quelque chose d'universel. Grazie. Alors c'est vraiment un plaisir de remettre ce prix à ce film-là en particulier, que j'ai vu la semaine dernière lorsque le réalisateur était présent et où il a reçu la mille quarts de la ville. Merci à la ville de Villerue de l'avoir offert. En plus, c'est un très beau symbole puisque, vous savez, Amilcar Zanoni était un ancien mineur de fer du bassin de Briey, un artiste. Il a fait là une œuvre exceptionnelle puisqu'il travaille beaucoup sur les mains. Et donc c'est un plaisir de remettre ce prix et qu'il aille effectivement en Italie, et d'autant que pour ceux qui n'auraient pas vu ce film, moi il faut vraiment aller le voir ce week-end. Ce film se passe dans une cité industrielle du sud de l'Italie, à Tarente, et effectivement on y voit des choses. Lorsque j'ai vu ce film, je me suis dit, mais c'est pas possible que ça existe. Et oui, ça existe officiellement. C'est aussi un film très politique dans le sens où il dénonce effectivement les conditions qui sont faites aux gens dont on a envie de se débarrasser et qu'on met de côté en leur donnant aucun travail. Voilà, en tout cas, félicitations et merci au festival d'avoir choisi ce film. Thank you.
A nome di tutta la giuria sono molto felice di consegnare il gran premio del Festival del Film Italiano di Villeneuve al bellissimo film che è Palazzina Raff. Grazie. Congratulazioni. Grazie, grazie, grazie infinite. Io sono onorato, felicissimo di ricevere questo premio, di riceverlo qui a Villeneuve, perché come dicevo qualche giorno fa durante la presentazione del film, ci sono luoghi speciali dove poter parlare di questo film e dove mi fa particolarmente piacere parlare di questo film. E Villeneuve è uno di questi luoghi perché, nonostante la distanza, migliaia di chilometri di distanza, parliamo la stessa lingua e conosciamo lo stesso argomento. E quindi rivedere il film e aver conosciuto Villeneuve è un po' come aver rivisto Taranto, ecco. E quindi io sono particolarmente felice di ricevere questo premio perché questo film ha dimostrato come certi temi non vanno mai fuori moda. E quindi oltre alla giuria, oltre al pubblico, ringrazio davvero chi ha creduto nel film, la produzione, la distribuzione, la mia fantastica compagnia di attori e soprattutto tutti i lavoratori, tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo film. Quindi grazie a tutti. Thank you.
Après le roulement de tambour du jury officiel, voici à présent le coup de cymbale presque final. Du point de vue des organisateurs du festival et pour les artistes eux-mêmes, je crois qu'on arrive avec ce prix à un moment crucial. Le moment crucial. Un des prix, si ce n'est le prix le plus important à leurs yeux. L'Amilcar du public. Cette reconnaissance, bien plus encore que celle de leur père ou d'une caste professionnelle si experte soit-elle, est sans doute, et sans aucune démagogie, l'une des plus importantes à recevoir pour un artiste. Car que deviendrait toute cette production, aussi brillante, intelligente et pléthorique qu'elle puisse être, si elle ne rencontrait pas son public ? Ces films, tous ces 70 films qui ont façonné ces 15 jours de fête, pardon, 18, ont été faits pour lui, pour le public, pour lui plaire, le charmer, l'émouvoir, pour le brûler ou le glacer, pour l'enflammer ou le submerger, pour bouleverser ses sens, pour bousculer son conformisme. Le cinéma, c'est là pour ça. Nous rassurer autant que nous déranger. Les artistes s'en amusent avec un sérieux déconcertant car ils ont compris que dans ce superficiel se cachait l'essentiel. Ce prix du public est parrainé par la région Grand Est. J'appelle donc à me rejoindre sur scène pour décerner ce prix Oreste Sakeli, déléguée artistique du festival, Sandrine Garcia, déléguée générale du festival, et Véronique Guillotin, conseillère régionale de la région Grand Est. Bonsoir. Alors d'abord, je dois vous signaler le nombre incroyable de bulletins de vote qui ont été dépouillés, ce qui prouve que le prix du public intéresse vraiment les spectateurs, c'est-à-dire ils veulent exprimer leur avis, ils le donnent, ils ont bien raison, surtout lorsqu'ils confortent ce que nous pensions. C'est-à-dire qu'en gros, dans la liste que nous trouvons, il y a évidemment des films sur lesquels nous avions déjà quelques pronostics, mais plus globalement, c'est la qualité qui a été reconnue à tous les films que nous avons mis en compétition. Il y a bien sûr, il n'y a pas que des prix d'excellence ex aequo, c'est normal, mais même le dernier ne défigurerait pas par rapport au premier, tellement les différences sont infimes. Donc voilà, nous allons vous annoncer le top 5. Alors, le film arrivé en cinquième position pour l'Amilcar du public est le film Il mio compleanno de Christian Filippi. En quatrième position, Prima la vita de Francesca Comencini. En troisième position, I bambini di Gaza de Loris Lai. En deuxième position, Anywhere, Anytime de Milad Tanchir. Et c'est maintenant, non, le Roulement de tambour, ouais. Enfin, peut-être qu'ils attendent. Merci. L'Amilcar du public 2024 est décerné au film Familia de Francesco Costabile. Vittorio Moroni, scénariste du film. Grazie. Grazie. Vi porto il ringraziamento e l'entusiasmo del regista Francesco Costabile, degli sceneggiatori, del cast, des producteurs, de tous ceux qui ont rendu possible ce film. Je vous porte l'enthousiasme de tous ceux qui ont participé à réaliser ce film, bien au-delà du réalisateur. Io sono particolarmente felice di essere qui perché è la mia seconda volta al Festival di Virru. Ci sono stato 17 anni fa.
Je suis particulièrement content d'être ici ce soir parce que c'est ma deuxième fois à Villerue. J'étais déjà venu une fois il y a 17 ans. Quando un piccolissimo film documentario, Le Ferie di Licu, vinse il premio qui al festival, e in quel film debuttava, cominciava a fare i suoi primi passi Maura Del Pero, che poi ha fatto questa luminosa carriera ed è qui con il suo film Vermiglio. Maura Del Pero avait commencé à travailler pour le film que j'avais accompagné à l'époque, c'était un petit documentaire, Les Vacances di Licu. Et on voit maintenant quel envol a pris sa carrière entre-temps. Allora era assistente e si occupava anche del suono. Elle assistait et s'occupait aussi du son. Ma sono particolarmente felice di essere qui perché penso che il Festival di Villerue sia una specie di santuario. Je suis aussi particulièrement heureux d'être ici parce que je pense et je crois que le Festival de Villerue est une espèce de sanctuaire. Che celebra il contatto, la connessione tra la cultura italiana e la cultura francese. Qui célèbre la connexion entre la culture italienne et la culture française. Che è una cosa estremamente importante, soprattutto in questo momento dove molti di noi lavoratori del cinema italiano abbiamo la sensazione che ci stiano togliendo l'ossigeno e anche la libertà. C'est quelque chose de particulièrement important, surtout en ce moment. Où nous autres professionnels du cinéma en Italie avons l'impression qu'on nous ôte et l'oxygène et les moyens de travailler et notre liberté. Quindi mai come in questo momento questo dialogo tra il cinema italiano e il cinema francese è vitale per noi. Jamais comme en ce moment. Ce dialogue entre le cinéma italien et le cinéma français est vital pour nous. Grazie. Merci. Promis, je ferai pas comme. Deux petits mots. Vous dire que la région est vraiment ravie et fière d'être aux côtés de ce festival durant toutes ces années. Bravo à tous les primés, bravo à votre film. Et je crois que obtenir le prix du jury est quelque chose d'éminemment important. Juste vous donner le petit dessous du jury jeune dont on est fier de pouvoir le parrainer. En fait, ils doivent être heureux parce qu'il y a eu, pour avoir assisté aux délibérations, un échange éminemment long entre leurs deux films, I Bambini di Gaza et Familia. Et ils étaient 10, alors je ne comprends pas pourquoi on met 10 personnes dans un jury. Et en fait, ils ont dû revenir multiples fois et continuer et argumenter pour pouvoir se déterminer. Donc je pense qu'ils vont être ravis. Votre film était vraiment en concurrence avec le jury jeune, donc bravo. Et je voulais vraiment vous dire bravo au jury jeune et merci au public en fait. Fatta così, c'è una casca zero, sì. Dove sono i vestiti?
Ma perché vuoi sentire rivelato che non ti piace? Guarda quanto è bello. Signora, lei che dice a casa tutto bene? Tutto bene. Non mi sto rivolgendo a lei, mi sto rivolgendo alla signora. Sì, va tutto bene. Sì, cazzo dei padri. Devo rovinare la vita, è più forte di loro. Gio, io voglio stare qua con te. No, però non mi va che fare la fine di mia madre. Sei la mamma più bella, eh? Sì. Non sono più tu che si investono nella scuola. Travailleurs, travailleuses, à Villerue, on connaît bien. L'algorithme, on s'y met. Villerue, qui a vu naître ce festival et qui, depuis, n'a cessé de le soutenir et de l'épauler. Aujourd'hui, ce festival, c'est plus de 70 films, 300 séances, 6 salles, 4 villes, sans vous parler des nombreuses décentralisations avec le cinémobile, 2 départements et même 2 pays, puisque depuis quelques éditions, le Grand-Duché de Luxembourg est venu renforcer cette belle et fructueuse collaboration culturelle. Par sa longévité, sa rigueur et surtout par ses choix artistiques, ce rendez-vous incontournable de notre paysage local a depuis bien longtemps dépassé les petites frontières de notre territoire. Il rivalise aujourd'hui par sa programmation avec des villes prestigieuses et touristiques, mais qui, malgré leurs efforts pour attirer stars et publics, n'arrivent pas à atteindre notre niveau de convivialité. Tous les invités de toutes les éditions, de tous les festivals, sont unanimes pour dire qu'ici, à Villerue, en plus d'une programmation de qualité, on trouve une ambiance toute particulière. Comme chaque année, la ville de Villerue décerne un prix, l'Amilcar de la ville de Villerue, et choisit d'honorer à travers l'Amilcar de la ville un artiste italien incontournable de la scène cinématographique italienne. La semaine dernière, Michele Riondino était chez nous. Et samedi 2 novembre, il s'est vu attribuer avec Oreste Sacchelli et avec Pierrick Spisiak, sindaco communiste, selon lui-même, le titre donc d'Amilcar de la ville. Il n'est pas là ce soir, on a filmé la remise de prix la semaine dernière, je vous propose de la regarder. Voilà, donc, Monsieur Kmer, à vous d'officier. Félicitations pour l'Amilcar de la ville. Je suis très honoré en plus d'avoir votre présence ce soir. Donc, alors, au festival, puis au nom de la ville de Villerue, je vous remets l'Amilcar. Et puis, un petit présent qui est du rang villerucien. Merci beaucoup. Qui vous pouvez dire deux mots, c'est bon. No, io sono molto contento, grazie Sindaco, grazie a tutti voi, grazie per avermi invitato. Donc je suis très heureux, très reconnaissant, merci Monsieur le Maire, merci à vous de m'avoir invité. Anche perché il Sindaco è già un repertorio storico, perché un comunista Sindaco è difficile. Oui, parce que déjà, un maire comunista, c'est déjà quelque chose d'historique. E quindi per me è motivo d'orgoglio particolarmente importante per me ricevere questo premio in questo posto, in questo territorio. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important de recevoir ce prix dans cette terre qui en a vu d'autres. Io amo molto parlare del mio film perché parlare del mio film significa parlare della mia città. J'aime beaucoup parler de mon film parce que parler de mon ville, ça veut dire parler de ma ville. Et farlo in alcuni luoghi è particolarmente importante perché in certi luoghi parliamo la stessa lingua. Et dans certains lieux, il se trouve qu'on parle la même langue et donc c'est très important. E questo è uno di quelli.
Et ce lieu est l'un de ces lieux, justement. Grazie, merci. Merci. Et bien, maintenant, le film. Nous voici arrivés donc au terme de cette soirée de récompense. La table est vide, il n'y a plus d'Amilcar distribué. La soirée donc de la 47e édition des Amilcar du Festival du film italien de Villerue s'achève à présent, avec encore une fois cette année, avouons-le, un palmarès époustouflant. Si j'étais pas lourd, je dirais même révolutionnaire. Au nom des organisateurs, permettez-moi une dernière fois, dans une dernière prise de parole, et après c'est promis, je débarrasse le plancher avec tous les musiciens et on vous laisse voir le film. Simplement, merci, merci à tous les participants de cette belle aventure, tous les partenaires institutionnels, les parrains, publics comme privés, les différents financeurs. Je ne vais pas tous pouvoir les citer, ils sont bien trop nombreux, ça serait bien trop long, bien trop fastidieux, voire soporifique, et je risquerais d'en oublier, ça serait dramatique. Mais sachez que sans eux, sans vous, j'en ai vu quelques-uns dans la salle, cette belle fête italienne ne pourrait exister. Merci à vous, merci aux organisateurs, aux administrateurs, aux permanents, aux bénévoles, aux projectionnistes, aux techniciens, aux régisseurs, à cette équipe incroyable de passionnés qui chaque année relève des défis, le défi de faire toujours mieux et de mettre chaque année la barre toujours plus haut. Merci à vous, merci au public d'être présent chaque année, envers et contre tout. Merci d'être fidèle à chaque édition. Merci pour votre indulgence, votre bienveillance, votre compréhension et votre amour du cinéma. Je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Vivement l'année prochaine, qu'on se retrouve pour la 48e édition du Festival del Filmo Italiano de Villerupete. Ciao a tutti, bonne soirée.